Nous revoilà de retour euh, à être tard On a mené cette enquête euh, mystérieuse et euh, glauque et bizarre, et tout ce qu'il faut. Euh, je crois que nous avions euh, Ismail Corbin, Corbin qui voulait nous faire un résumé. De, de eh bien les bonsoir. À tous. Et effectivement la suite des aventures. Donc euh, après euh, quelques euh, enfin leur partie d'enquête de Anis et Ismaël au Havre. Donc a euh, paru une photo qui est ressortie euh, la petite virée sur le Havre euh, nous a permis de, de savoir que les réseaux de diffusion de drogue russes se sont totalement retirés des La raison on la connaît pas encore officiellement. Donc on enquête toujours sur ce point. On a une photo. On a enquêté aussi sur une des victimes euh, puisqu'on a visité son appartement euh, au niveau bas du Havre. On, on a réussi à trouver une photo <coughs> sur un réseau alternatif, on va dire, euh, justement du propriétaire de l'appartement euh, qui s'appelle Le Cornu et qui est avocat euh, sur le Havre. Et euh, sur cette photo, donc, euh, on apparaît aussi euh, carpentier et, 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 et euh, berrichon, donc en tenue de cérémonie, donc en manteau à capuche. pendant ce temps, euh, louis Valmeras et coralie euh, Rokansky sont revenus euh, à la maison, enfin à, à la villa, pardon. Euh, il y a eu toute une séance d'interrogatoire autour de Coralie et l'épisode s'est fini sur une effraction, donc une vitre, vitre, une vitre cassée. Euh, par contre, on ne sait pas qui est encore entré dans la maison. Voilà, voilà. Est encore. Mmh. Bref. Effectivement, donc vous êtes dans, dans ce salon. Euh... Dans cette dans cette cuisine. Et euh, vous entendez sur l'arrière de la maison, alors c'est quelque part par là, euh, à droite là, euh, un bruit de verre brisé. Pour vous rappeler un petit peu, un petit peu le. le J'ai pas fait de plan de la maison, mais je, brièvement, euh, là sur la droite, derrière le frigo, il y a un couloir qui passe derrière. Qui, donc derrière, vous, avez, vous allez avoir trouvé de, genre des toilettes, placard à balais, euh, choses comme ça. Et un petit, le couloir, donc il, il revient comme ça vers vous euh, sur la gauche quand vous tournez. Et donc il y a bah, et il y a une porte vitrée qui mène vers le jardin. Et tout au bout de ce couloir, il y a une espèce de buanderie avec euh, lave-linge, sèche-linge, euh, table à repasser, qui se trouve par là. Euh, L'escalier pour monter à l'étage, il est plutôt, donc il faut, il n'est pas derrière, il faut revenir à ça dans la cuisine, il est euh, ici, donc là il y a un escalier qui porte à l'étage, et ici vous avez une porte d'entrée qui mène sur le jardin, voilà un peu à quoi ça ressemble, et vous, vous étiez ici autour de, de Coralie, et les gens ils étaient par ici en train de, de, de discuter, d'essayer de tirer les verres du nez à Coralie, et de commencer un peu à préparer à manger quand vous avez entendu ce bruit de verre brisé qui venait donc de par là, euh, par derrière, là. de ce couloir-là. Heureusement qu'on a tes chiens à Anaïs. Euh... Euh, tes chiens normalement, Moi, je... euh, ils étaient couchés dans le salon, en train de manger, ou par ici, ou je sais pas où, en train de manger des croquettes, c'est ça, Un truc comme ça. Oui, c'est ça. Ben, disons que je, ils avaient reniflé les croquettes et j'avais tiré les et je leur ai mis le ils sont en train de manger quoi euh, je me précipite vers vers le bruit et je et j'ai sur moi mon mon couteau de chasse que j'avais récupéré de la de la maison je l'ai je l'avais dissimulé je l'avais gardé sur moi donc mais je le je le dégaine pas je le mais je je sais qu'il est là et je je me précipite vers le bruit euh, le... vous voyez vous voyez, vous voyez effectivement uh, Coralie qui sort son uh, son pistolet et qui se précipite aussi vers le, le, le couloir derrière. Donc, euh, ce, que, ce dont j'ai besoin de savoir, c'est dans quel ordre vous êtes Qui passe devant Qui est derrière Consommons le couloir, vous pouvez être éventuellement à d'autres côtés. Voilà. Mais Annie, c'est un petit Alors, peu moi... large, ce n'est peut-être pas forcément évident. Alors, moi, je voulais lui... monter... Pardon, Vas -y. Vas -y, je t'en prie. Moi, je voulais juste monter à l'étage pour, euh, pour les prendre par surprise en leur sautant dessus euh, d'en haut. Je mets à le côté Louis. Alors il y a du bruit en bas. Je monte en haut. Je vais me planquer dans ma chambre. Non non mais c'est pour les prendre par surprise. Non mais c'est pour les prendre mmh. par surprise. Bien sûr. Ismail lui, il se mêle, lui, il sort. Et il il, il sort. regarde s'il y a un véhicule il sort par où. Bah, il... Par ici là Bah là. Ah, ouais exactement. D'accord. Euh, toi, Anis, juste avant de partir, tu as remarqué que tes chiens se sont levés et ont commencé à lever la, le nez, la truffe et à regarder dans toutes les directions. On va faire. Dans toutes les directions, c'est-à-dire. Euh... Eh ben, ils regardent un peu à droite, à gauche, euh... Ils regardent aussi bien euh, par ici que, que par ici, quoi. D'accord. Je, je les ai. Je leur ai dit de venir avec moi. Hein. Je ah. les ai appelés en même temps que je, en même temps que je courais. Ok, donc c'est. Question c'est euh, entre toi et Coralie qui passe devant Elle a un pistolet à la main, donc a priori elle aurait tendance à passer devant, mais tu, tu cours mais tu cours sans réfléchir sinon... et tu passes devant elle, quoi. C'est le premier qui fait un jet d'initiative le plus élevé, quoi, dextérité le plus rapide, c'est ça, quoi. Voilà, je, je dis ça, ça dépendra comment on a réagi, quoi. Eh ben, on va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Qui c'est qui fait le jet de dextérité dans l'initiative de 16, On va se la jouer à la dextérité comme ça, là. plutôt que de regarder l'initiative. Dexté... Dextérité. Okay. Oh. Eh bien oh, c'est <laughs> Coralie qui est plus rapide et qui passe devant. Ok. <coughs> Très bien. Faire le faire maintenant on va dire. <laughs> et toi, tu fais un, un, un bon euh, fumble, donc ça veut dire que tu euh, se précipite et toi, tu te pètes la figure, tu te retrouves à plat ventre euh, par terre. Euh, okay, et je, avec je, les chiens je, sont en train d'arriver à toi. Je, vais... <laughs> je, je, suis, Effectivement. je suis allé trop vite et j'ai dérapé, d'accord. Et euh, ah bon, 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 bon. eh ben puisque Coralie <laughs> n'est pas là, je vais pas faire Coralie. Je vous dirai après ce qui lui arrive à Coralie. Je vais faire euh, Ismaël. Ismaël, toi tu sors par ici, c'est ça Ouais, je sors et je regarde s'il y a euh, déjà des véhicules dans la rue. Mais tu sais en mode non euh, euh, ouais, mais non mais, non, non, mais tu vas pas arriver jusqu'à jusqu ouais. la rue. Je te rassure tout de suite. Tu vas pas oh, arriver jusqu'à la rue. Tu vas pas arriver jusqu'à la je... rue parce que tu je as crois ça. Crois tu as ça et ça qui sont juste devant la porte et qui t'accueillent un pistolet à la main. Ouais, magnifique, <laughs> quoi, <c 'est> <laughs> euh, Tu vois deux, 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 individus, ah, deux, euh... deux individus qui ont un, un masque sur la, la tête, oh. un masque en caoutchouc sur la tête, et, et, qui, t et qui te font signe de, 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 de retourner à l'intérieur de la maison. Donc il y en a un, il a un masque de Freddy Krueger et l'autre il a un masque de, de troll, un truc comme ça quoi. Et la Miss Coralie, la Miss Coralie, ben, vous la voyez, euh, euh, vous la voyez effectivement euh, reculer. Vous la voyez, euh, non d'abord elle voit, euh, elle voit un mec qui arrive. Vous entendez crier, euh, qu'est-ce que vous foutez là euh, oh, Excusez-moi, je croyais que la maison était vide. Euh, je suis vraiment désolé. Euh, je n'avais pas compris qu'elle était vide. Euh, toi, t'as pas vu ce qui se passait avec euh, Ismaël hein, et, les, et les deux personnes qui l'ont accueilli euh, à l'entrée. Euh, notre ami, euh, comment s'appelle Anis. Euh, donc tu te relèves ouais, et tu vois vers effectivement. Vers euh, vers tu vers lèves vers euh, vers la tête et tu vois effectivement Coralie qui est en train de pointer un gars qui a euh, cette tête là <coughs> euh... pop, pop, pop. qui c'est qui me fait ça euh... ah pas encore c'est une erreur, une erreur <laughs> euh... qui a cette tête là et qui fait oh excusez moi je croyais que c'était euh... il, il a pas d'arme dans la main il, il lève les mains et dit ah je suis désolé euh, mademoiselle je pensais pas que qu'il y avait quelqu'un dans la maison euh, je suis vraiment désolé euh... Vous voulez quoi Vous faites quoi là mais, mais Sortez de là Les mains en l'air Plaquez-vous contre le mur. Ah oh, mais doucement, mademoiselle, mais je n'ai pas fait exprès. Je, je suis désolé. Alors, tu, tu fais quoi euh, à Nice Tu savoir euh, ouais, Je vois qu'elle gère le, la situation. Je me rapproche de, du gars ouais. et je le je le saisis par le poignet je le tourne contre le mur. Tu vois, très bien. Euh, <coughs> et au moment où tu fais ça, tu... Euh... Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça tu, tu entends un plonge par terre. Euh, en fait, c'est Coralie qui a lâché son arme et qui est en train de lever les mains en l'air quand tu tournes la tête. Parce qu'en fait, il y a un, un autre individu qui était, a priori, planqué soit dans les toilettes, soit dans le placard à balais. Euh, qui a à peu près cette tête-là. Et qui, euh, et qui est en train de euh, et qui lui a planté son, son, son pistolet dans les côtes et qui lui a susurré à l'oreille de, de lâcher le sien gentiment. Euh, voilà, voilà. Et il y a tes chiens qui, qui sont à côté de toi en train de grogner contre celui que t'as pris en, entre les mains et qui comprennent pas trop qu'est-ce qu'ils qu qu font faire. Et le mec qui te dit bon tu, tu, tu rappelles tes chiens et puis il y, y a un autre mec. Attends, j'ai pas fini. Il y en a un autre qui sort de la buanderie en fait. Qui était déjà à l'intérieur, qui était dans la buanderie, et qui pointe son arme sur toi, Anis. Euh, euh, nice. Il ressemble à ça. Et, et il te dit, bon bah, tu rappelles tes chiens et tu vas les enfermer dans la buanderie. Gentiment. Et là, le mec, euh, la tête de pumpkin, là, euh, il, il se retourne et il sort un pistolet euh, <laughs> à son tour aussi. Heureusement que Louis Valmeras prépare une attaque aérienne. Ah oui, <laughs> on compte sur Louis, Louis Balmeras, hein Je... Donc, tu lui, gars, chiens, un... tu lui ça. Tu appelles tes chiens, tu appelles tes chiens, tu les, et tu viens, tu viens les, tu les dis, d'aller dans la, dans la, il fait signe là, tu les mets dans la, la buanderie là. j'ai Je... toujours le gars avec son poignet dans les mains. Tu le lâches ou tu le lâches pas? Tu le lâches ou tu le lâches pas non. Le mec, il fait... tu, tu lâches mon pote, là. Et, il pointe un, fisto... un pistolet vers toi, quoi. Je... je le lâche, je récupère les chiens. J'ouvre la buanderie. Si tu tiens à tes chiens. Je les. <laughs> je les mets dans la buanderie. Ok. Puis ferme la porte derrière. Et ben maintenant, vous allez tous vous asseoir autour de la table, ici, là. Gentiment. Cham. Euh, Juste une ouais. chose, euh, hors RP, j'ai fait une erreur tout à l'heure, j'ai un couteau ouais. et un pistolet aussi. D'accord. Mais bon, rien à voir. Euh, quand je suis sorti, j'ai rencontré les, les, les deux ouais. gars là qui m'ont surpris. Ouais. Et euh, donc je, je lance, si possible, euh, une attaque euh, bah, un peu réactive, tu vois. Donc attaque sonore. Tu veux donc, faire ça une... D'accord. Ouais. Tu veux faire ça Directement d'entrée de jeu. Alors dans ce cas-là, on va faire un. Mais avant de rentrer dans la maison, hein, tu vois. D'accord. Alors comment ça marche ça déjà Comment que ça marche Comment ça marche ce truc-là Je l'avais mis dans les capacités. Tata tata. Ouais. C'était où ça hein Capacité extraordinaire. Tu veux que je te poste personnage pousse un cri dans les oreilles ouais mais je le vois pas dans le pourquoi je le vois pas dans la fiche perso je le vois pas dans ouais je le vois pas dans roll 20 euh, tu vas dans si tu vas dans la Ah première oui, pardon, c'est a... là ouais, effectivement, j'avais pas vu, c'était là. C'est là effectivement. Donc effectivement, donc il faut que tu fasses un jet d'attaque. Et eh bah ben, tu fais un jet d'attaque. Normalement tu cliques sur le petit D en fait ça doit marcher normalement si ouais. tu fais ça. Ouais c'est tout bon. Ça fait ça. Contre défense. Alors, contre défense, nos gores no go. Ils ont quoi comme défense eux Ils ont quoi comme défense T'as fait quoi T'as fait. 11. 11 contre 11. Avec lui, ça passe. Donc ça fait 5 de dégâts. Et ça fait 5 de dégâts, et il se retrouve projeté en arrière, et il perd son arme. Et l'autre, euh, notre ami, euh, notre ami Freddy Krueger, notre ami Freddy Krueger, notre ami Freddy Krueger. Ah, il est touché aussi. Il est touché aussi. Ah, j'avais pas euh, corrigé lui, j'avais pas remis à zéro celui-là. Voilà, pouf, bah lui pareil. Les deux se retrouvent projetés en arrière, et perdent leur arme, ils se demandent euh, qu'est-ce qui se passe. Alors est-ce que et je qu est peux que... profiter euh, de, la, de la, confusion, la confusion Exactement pour faire une petite euh, une petite un, bouton, un petit saut euh... par exemple euh, dans la buisson, un buisson histoire de passer en mode discrétion. J'ai un par bouchon. Par contre, on va dire que ça, ça veut dire qu'il s'est cassé la figure. Okay. Pouf, qui est tombé en arrière. Tu veux quoi Tu veux te jeter dans un buisson Ouais, en fait, je veux euh, disparaître. Tu vois Genre, éclipse euh, okay. derrière un mur ou. Et histoire bah, de euh... passer en mode... C'est quoi C'est un jet de dextérité de, Tu pars en courant, c'est ça Un truc comme ça Ouais, par exemple. Bah, J'ai un, un truc discrétion. Donc je peux peut-être l'utiliser. Discrétion, c'est plutôt pour de... euh, marcher sur la pointe des pieds discrètement. C'est une fois que auras, tu seras okay. parti en... une fois que tu seras caché, tu feras le jeu de discrétion si te cherche. Ça marche. Donc je commence euh, un jeu dextérité. <laughs> ouais, c'est léger, c'est léger, c'est léger. Euh... Je, fais <laughs> je fais quoi contre ça Je fais quoi contre ça C'est est-ce euh... que il te voit euh, partir en courant ah bah lui il te non, voit lui. pas, lui il te voit pas clairement, lui il te voit pas, lui ils il ont il des masques sur la tête donc ils voient ouais, il pas ça. très bien ouais donc ils ont des malus. Voilà. Lui par contre lui, il a... lui par contre il t'a vu partir vers les buissons lui. Mais la première chose qu'ils font c'est qu'ils euh, se précipitent sur la rame pour la ramasser. Par contre, est-ce que cette attaque, C ça position. fait du bruit à l'intérieur Bah, ça fait un petit peu comme un un son un peu sourd. T'as entendu un peu ouh, un, un truc comme ça, un peu comme comme as, si on tapait dans un tambour, les... comme si on tapait dans un tambour en les, fait. Euh, est-ce que les gars, ils ont réagi Est-ce qu'ils se sont, sont détournés, par exemple, vers le bruit Ben ceux qui qu nous tiennent un jeu. Non, ils sont concentrés sur sur vous. pas euh, ça pas fait le bruit d'un avion qui non c'est pas vraiment un c'est très directionnel donc ils n'ont pas entendu euh... ils ont entendu un... le bruit est moins fort dans votre direction en fait d'accord oui non, parce que et donc du, si coup, euh... du coup du coup si du coup du si coup ouf... alors qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer et eh ben euh... Euh, lui, Il y a Freddy Krueger qui fait, mais il est passé où euh, Je l'ai vu, il est parti vers le, vers le buisson par là-bas. Toi, tu essaies de, de cacher dans le buisson en espérant qu'il ne te trouve pas ou, euh, ou tu, tu fuis plus loin ben, J'essaie de tu comptes ça. Tu, ouais. tu comptes sur ta discrétion pour rester caché dans le buisson et qu'il ne te trouve pas ou... Non, non, je compte plutôt euh, essayer de me déplacer, euh, profiter de la nuit et puis de ma discrétion pour essayer de m'éloigner un peu. Ok. Donc, euh, euh, alors fais-moi refais-moi un jet de cette fois de discrétion versus euh, leur perception à eux. Il était plus en forme en début de soirée, je trouve, Ismaël. Alors et lui, et lui, il fait quoi lui Je vais leur mettre un malus de moins 2 à chaque fois parce que... Alors Freddy Kuger, il va rien, il est complètement bigleux. Et lui, il fait ça. Euh, ah effectivement, ben euh, le troll, lui, il te voit partir. Il te voit partir et il te tire dessus. Il te tire dessus, il te tire dessus. Il te tire dessus. Pouf. Ah par contre, euh, il te rate. Il te rate et euh, le coup de pistolet part dans une voiture et ça déclenche une sirène. Oui 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 oui. Du coup euh, en mode panique, il, il dit "Oh, là, on va on va essayer d'éviter d'attirer l'attention, il repart en courant dans la maison." Et il te laisse partir. Et il se plante okay, ferme moi, la porte genre... derrière eux. Moi, j'en profite pour euh, pour appeler les pompiers. Les pompiers, très bien. Ouais, parce que je me dis que bah, s'il y a les flics, euh, peut-être, enfin, peut-être que les flics sont euh, corrompus. Donc, euh, si j'appelle les pompiers, ça va euh, peut-être faire fuir euh, les sirènes qui les arrivent. Les pompiers. Ok. Et donc, euh, je leur signale euh, qu'il y a. Euh, un accident grave à l'adresse de la villa. Ok. Ok, 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 très bien. Et bien, on se retrouve ici dans le salon en attendant que les pompiers arrivent. On se retrouve dans le salon. Nous allons avoir euh, Coralie. Euh, nous allons avoir Anis. Et l'autre, ils font. Faut... Ben, il est passé où le l'autre là il nous a échappé, il est parti en courant. Oh putain, bon, il ben, va falloir faire vite. Hein. Euh, les gars, donc, euh, comme vous le savez, cette maison n'est pas censée être louée, donc j'imagine que c'est une belle maison. Vous avez les moyens de louer un truc comme ça, donc vous devez avoir de l'argent. Et il n'y avait pas un, un autre gars encore avec vous, là Regardez par la fenêtre, s'il y en avait un troisième, il est où ah il, il a dû, ah, il a dû monter là-haut. Attends, donc du coup, il y a ce Gugus là et, et, et ce Gugus là qui décide de monter. Allez-y, euh, Freddy et Troll, vous allez monter l'escalier. Donc il y a Freddy et Troll qui montent l'escalier pendant que les, les trois autres s'occupent de vous. Euh, il trouve le couteau sur la table. Hein, le couteau en machin, il dit bah, C'est sympa ça, ça, ça doit voler de l'argent, c'est quoi C'est euh, une pièce de collection à... Alors, Coralie, Il demande à. Coralie ne répond pas hein, et il Tu dis quelque chose, Anis non, moi je, moi je suis de. Je me suis. Moi je me suis relevé, donc je les dépasse, j'imagine, tous d'une ouais. bonne tête. Et je euh, vais, ils vous font asseoir des... à table. En fait, ils vous font asseoir autour de la table, quoi. Et ils commencent à sortir des cordes pour vous ficeler sur les chaises, quoi. Euh, ils, ont... euh, ils sont toujours en joue euh, Ouais, ont, euh, ils ont tous les trois, enfin euh, il y en a deux qui vous tiennent avec des pistolets, pendant que euh, le troisième, là, euh, V, il vous euh, attache avec euh, avec une corde. Euh, tu fais quoi, Louis, là-haut, là, pendant que tu entends que tu entends euh, Freddy Krueger, euh, et, et Troll qui sont en train de monter les escaliers. Hein. Ah mais moi depuis le temps, moi je me suis planqué. Hein. Ouais, mais t'es où, t'es dans, t'es planqué moi. où T'es planqué ah, où Je sais pas, parce <laughs> que je suis bien caché. <laughs> Disons que quand, quand les deux Gugus y montent, euh, ils voient qu'il y a plein de fenêtres qui sont vertes. <coughs> D'accord. Bah, ouais. ils vont fouiller toutes les chambres, hein, les unes après les autres, ah, vérifier bah, qu'il n'y a euh, personne. Je suis pas dans les chambres. T'es sorti par la fenêtre, ça Ouais. Euh, ok. ben bah, ils vont fouiller euh, toute contre, la maison que... et ils vont refermer les fenêtres derrière. Ils vont refermer les fenêtres par et ils vont. Que... Euh, et ils vont redescendre pendant en disant, bah, on le trouve coups pas, coups. apparemment il est sorti par la fenêtre le troisième, le quatrième, enfin bref. Alors pendant le temps de fouille et, et pendant qu'ils qu gardent euh, Anis et Coralie euh, en joue, il euh, y a Ismaël Corbin qui en a profité pour aller à l'entrée du compteur et qui coupe l'électricité de la maison. Donc il n'y a plus d'éclairage, il n'y a plus rien du tout. Ah. Euh, je... <rire> Super. <rire> Une petite question, est-ce ouais. qu'il y a une cheminée euh... ouais, On peut dire qu'il y a une cheminée, ouais. Je veux bien un genre de maison, il doit y avoir une okay. cheminée. Euh, au, moment où, euh, au moment où la lumière s'est coupée, ouais. euh, le gars avait pas com... commencé à me, à me... me ficeler euh, Si, le temps qu'il revienne, il avait eu le temps de, de ficeler euh, à... les deux à euh, Nice et. Euh... Mais ça s'appelle les hein. Moi, je, comme je suis sur le toit, je passe par la cheminée. Lu Louis, Louis <laughs> est-ce que je peux t'apercevoir depuis le toit, sachant que ah bah, euh, moi, tu, vois, ouais, tu, me, tu me vois, tu me vois qui est sur le toit en train d'essayer de me faufiler par la cheminée. Ouais, non, mais ça rentre pas par la cheminée. Attends, euh, tout le monde n'est pas le Père Noël. T'as vu la taille de la cheminée c est, c est... Moi je suis content. Ça, fait <laughs> ça fait... T'es pas Père Noël. Toi, le, le, le diamètre de la cheminée, c'est quoi C'est 30 cm, un truc comme ça. 49 max. Je suis pas très gros ok. <laughs> ouais, mais non, mais pas en à contre, ce -là, Moi, moi j'en ai vu chez quand moi, et tu passes pas dedans. Hein. Bon, mais quand ça... la lumière s'est éteinte. Ouais. Au moment où la lumière s'est éteinte, ouais. je me suis relevé, j'ai mis un grand coup de boule. Non, mais toi, t'es attaché euh, sur une chaise, toi! Non, mais je me suis levé avec la chaise. <laughs> ah, avec la chaise? Et t'essayes de, de, ouais. de mettre un coup de boule? C'est eh une masse, C'est une masse et c'est un ancien soldat. D'accord, t'essayes de mettre un coup de boule. et ben, vas-y, fais-moi une attaque à Manu, alors. Contre qui? Alors. Et moi j'ai j'ai lorsqu'il combat, à... ouais. j'inflige de... bon j'ai un truc en plus. il hein. fait ben, sur qui Celui qui est en train de m'attacher. Hein. Celui qui est en train de m'attacher, c'est V. C'est V, ouais. j'imagine im... les autres sont dans la nuit, ils ne voient pas. Bah c'est dans le noir, non À part l'éclairage des lampadaires dehors. Donc ils ne voient pas. Ils voient pas très bien. Non. On va Dire que j'y vois mieux que. Ah, on peut dire euh, ça. Je fais quoi, moi Eh ben, je tu fais une attaque à main nue. Force... T'as pas une attaque à main nue Contact. Directement ça. T'as euh, quoi T'as quoi T'as quoi T'as quoi ah, T'as art, art martiaux Tu cliques sur art martiaux oui. Art martiaux. Oui, c'est bien. Ouais, art martiaux. Très bien. Sur V, tu fais ça. Sur V. V, il se prend combien de points de dégâts, lui 6 points de dégâts, il se prend... Attends, 2 secondes de défense. V, il se prend 6 points de dégâts. Pourquoi j'avais pas remis à zéro son compteur lui depuis la dernière partie Eh ben euh, il tombe à la renverse, hein Il tombe à la renverse en se tenant le nez. Oh putain, il m'a pété le nez le salaud Et là, t'as les deux qui tirent, euh, qui tirent au hasard dans le noir, grosso modo dans la direction du bruit qu'ils ont entendu. Donc on va leur mettre un malus. Un malus de comment on... C'est quoi le malus de quand on tire dans le noir Bon là, je vais mettre le maximum, ça va être moins 5. malus de moins 5. Allez hop Un malus de moins 5, il me fait... il me tire au pistolet dans ta direction. Il tire au pistolet dans ta direction. Euh, tu as combien donc euh, moins -13 moins -5 ça fait ça fait 8 tu as combien en défense euh, notre ami <coughs> Anis il 10 et euh, 11 défensive ouais. ouais donc il te touche pas et l'autre et l'autre pourquoi je porky il s'appelle pas porky mais c pas grave l'autre aussi tire dans ta direction ça pas l'air mieux, hein. ça pas l'air mieux. Il te rate aussi. Et ils ont fait un premier coup. À toi, prochaine action. Coralie, The... elle, ne bouge pas elle. Elle est, elle est attachée, elle a pas d'arme de... sous la main, elle est, sauf et discrète. Alors est-ce que pendant ce temps-là, j'ai le temps de me rapprocher de la fenêtre de la cuisine? Euh, au prochain tour. Ok. Donc euh, euh, donc j'en ai je assommé un. Et Louis, tu fais quoi T'as entendu je... deux coups de feu, toi, sur le toit, toi. Je prends oui, non, mais. Es... Oui, tu. Je tu prends, te... prends le. La cheminée le... est trop petite, t'arrives pas à passer dedans. <laughs> je prends le le couloir vers la buanderie, qui est toujours dans le noir. Tu te traînes attaché à ta chaise pour vers le couloir vers la buanderie, c'est ça oh, je... Je... non mais en fait euh, euh, il m'a pas attaché les... il a pas eu le temps de m'attacher les... les jambes et éventuellement il m'a attaché euh, ah ouais si tu veux ouais euh, ok le truc parce que si ça s'est fait rapidement euh, ouais. je... je je me suis levé avec la chaise éventuellement j'ai le... les... les bras collés euh, contre la chaise mais euh, c'est pour ça que j'ai réussi à... à lui mettre un coup de boule et je vais vers le vers le, le couloir vers la muanderie. Eh ben, tu me fais euh, voir à quel point tu arrives, à, avec quelle dextérité tu arrives à te faufiler dans le couloir avec une chaise attachée à toi. Donc, euh, jette de dextérité, euh, difficulté moins 2, bonus moins 2. Euh, ah, bah oui. Ouais. Bah, tu te cognes contre les murs et eux, ils, ils entendent que tu te cognes contre les murs avec tes élevages, donc ils retirent dans ta direction. Donc, euh, c'est qui qui tire Ah non, c'est pas, pas Freddy Krueger qui tire, c'est. Euh, comment il s'appelle C'est euh, Porky, Porky et Pumpkin. C'est Porky et Pumpkin qui tirent dans ta direction. Alors lui, il tire. Pourquoi il lance je sais pas combien de dés lui Ah merde, il est explosif le dé Non, il est pas explosif, j'ai dû faire un. Il a dû mettre un. Il a dû mettre l'option explosif. Il abuse un peu. Euh, donc 4 contre défense On s'en fout c'est raté 16 par contre Là c'est réussi Il te touche et il te fait 7 points de dégâts Tu te prends une balle genre dans, le, dans la hanche Qui te fait tomber dans le couloir Donc tu te prends 7 points de dégâts Tu te prends 7 points de dégâts Mais tu sais ce que ça veut dire Oui est-ce que tu me les enlèves ou je les enlève Deux secondes. Eh ben si tu veux, je vais m'en occuper. Euh... Tiens, pourquoi tu avais un... C'est quoi ça Point de choc. Ah non, c'est quoi ces points de choc Pourquoi t'as un... un point de choc Je comprends pas. Voilà. Donc, je te mets ça normalement. Et tu perds. Je suis à 12. Et tu tombes à 12. T'as 12, mais t'as gagné quelque chose en revanche. Oui. Donc tu peux décider éventuellement de t'énerver. C'est ce que je vais faire. <laughs> tu vas t'énerver. Il va devenir <laughs> tout vert. Ismaël a joué. Il va de... Il va et Ismaël, tu arrives effectivement devant ta fenêtre et Louis Valmira, tu, tu, tu as constaté que la cheminée était un peu trop petite pour que tu puisses descendre dedans, tu fais quoi? Louis, tu fais quoi Louis Valmira T'as entendu des coups de feu en bas quoi. Oui, donc ben depuis tout à l'heure, comme je pouvais pas passer par la cheminée, en fait je me mais suis ouais. glissé par la, la gouttière. Entre temps, euh, donc j'ai entendu des coups de feu, mais j'ai surtout vu euh, mon collègue Ismaël est en train de, de fuir, de se planquer, puis ensuite de revenir furtivement. Et c'est là que je le rejoins. Tu le rejoins, d'accord. Et je tout ce temps-là, j'ai au moins le temps de faire ça. Oui, d'accord. bah Effectivement, tu rejoins Ismaël. Et Ismaël, tu fais quoi devant la fenêtre de la cuisine Eh ben déjà, quand Louis m'a rejoint, je lui ai tendu un couteau. Que je, pense que as le temps... non, mais je pense que tu as le temps d'une action avant, juste avant qu'il te rejoigne, quoi. Okay. Tu seras en train de faire une action quand lui eh ben, te rejoint à ta hauteur. Donc, donc avant, avant qu'il me rejoigne, euh, j'ai vu les deux gars là qui se sont mis à ouvrir le feu euh, mmh. sur euh, Anus, mmh. c'est Ouais, tu vois la lumière eh ben, de leur bon, pistolet bon, qui tire dans le noir quoi. Et eh ben voilà, et eh ben donc, étant donné que je suis devant la fenêtre, moi j'en profite pour justement, avec mon pistolet, que j'ai dégainé hein, en revenant vers la maison. Mmh. Euh, Ouvrir le feu en direction des, des deux coups de feu. Euh, bah, sachant que étant donné que la maison allait dans le noir et qu'on est en pleine nuit, ouais, par contre euh, non mais t'as très bien ça. vu, t'as très bien vu leur silhouette avec le, le, le en contre-jour de, de la lumière des coups de feu, quoi. Exactement. Donc j'essaye de, de viser celui qui est le plus loin de Coralie. Histoire de pas la toucher. Ah, donc tu vis celui-là alors. Et j'ouvre le feu sur lui, ouais. Eh ben, vas-y. Ouvre le feu. Tu ouvres le feu sur Pumpkin. Ouvre Ouf. le feu sur Pumpkin. Aïe <rire> 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 Tu sais ce que ça veut dire, hein <rire> <rire> Tu sais ce que ça veut dire <laughs> Tu sais ce que ça veut dire <laughs> Et eh bah, ben, tu touches Coralie. <laughs> qui tombe à terre et ouais. perd 4 points. Elle tombe à terre. Et, et elle tombe à terre et, et tombe de sa chaise. Enfin, elle tombe avec sa chaise. Machin, et elle s'est pris une balle dans l'épaule, apparemment. 4 points. Euh, voilà, voilà, là. Et juste à ce moment-là, Louis est, est arrive à ta hauteur. Et je vois ça je tombe et... dans les pommes. <laughs> t'as rien vu, tu vois. Tu vois juste le... qu'il a tiré dans la... par la fenêtre. Faut que tu regardes à l'intérieur. tu Le pantone plié. Tu... Ouais, t'as entendu. Oui, t'entends effectivement, t'entends euh, Coralie qui crie, hein. qui hurle. Donc je tombe dans les pommes. Juste le hurlement, ça suffit pour te faire tomber dans les pommes. Ah bah moi je suis insensible, tu sais. <laughs> C'est Ça un peu du chiquet <laughs> Ça un peu du chiquet. <laughs> Bah, Et bah, qu nice. bah, eh ben, euh, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer euh... Qu'est-ce qui va se passer bah ça va être à Nice de jouer. Les deux là, les deux, euh, tu vois qu'ils essayent de prendre. Merde. Il y en a un qui, qui, les deux là, ils attrapent le, euh, le, le, le couteau. Et euh, ils se dirigent vers la... la porte pour essayer de s'enfuir. La porte où il y a Ismaël Ouais, enfin Ismaël il est derrière la fenêtre là. D'accord. Je <laughs> suis à droite de la porte. Tu es à droite de la porte, ouais. Mais eux ils ont aussi leur pistolet dégainé quoi. <laughs> Et sachant Donc, que je les euh... vois pas là vu qu'on est toujours dans le noir. Ouais, tu vas entendre la porte s'ouvrir quoi moi ouais, qui, ouais. je pense qu'ils vont pas être discrets. Et toi tu fais quoi à Nice Attends mais euh, tu, tu parles de Kruger et, et, le, et lui là mais ils sont ouais. en haut eux. Eux ils sont en haut ah, non, mais ils non, ils sont, sont redescendus, ils ont dit qu'ils ont trouvé personne en haut. Ah d'accord, OK, ils ont fermé. je croyais qu'il y, y de... avait que les trois là. Ouais, moi aussi je, je croyais qu'il y porter, avait. Que les et... terres, mais... Non, ils sont montés, ils ont trouvé qu'il y avait personne, les fenêtres étaient fermées puis euh... sont redescendus D'accord, ok. Pendant que euh... V était en train de vous attacher. D'accord. Donc V, il est par terre. Les deux m'ont tiré dessus. Moi, je suis au fond du couloir. Euh, v, il est en train euh... de se relever, ouais. Je, Moi, je prends mon. Euh... Moi, je... je prends mon PM. Ton PM ah ton pour, PM, ouais. euh, d'accord. Ouais, je prends mon PM. Pour, Et tu euh, laisses échapper la bête pour tu fais quoi, pour, euh, pour euh, me, me défaire de mes de arracher les cordes. Ouais non pour mais Pour faire tu... sauter ouais. les cordes. C'est-à-dire tu nous fais. Euh... Ouais, je vais je vais je vais me je vais sauter enfin euh, euh, ou. Partiellement Partiellement ou complètement Partiellement. D'accord. OK. Ben euh, j'ai même pas envie de te faire de jet. Euh, dans ce cas-là, effectivement, tu as tu, tu, tu éclates les cordes sans difficulté. Tu même éclates la chaise avec. Ouais. Et comme je suis. Euh... Et je suis près de la buanderie, j'ouvre la porte dans, avec mon action. Sauf que j'ai envie de dire, dans ton action, un truc que tu ne peux pas t'empêcher de faire, c'est de hurler, mais d'un hurlement, mais qui n'est qui pas humain. quoi. Vous le, vous entendez un cri qui, qui ressemble à rien d'un cri humain. quoi. C'est euh, genre une, une bête horrible, quoi, hein, une espèce de hurlement euh, euh, assez atroce. <laughs> vous savez pas ce que c'est, mais vous entendez un, un hurlement euh, qui, qui voilà qui vous fait qui vous glace le sang à tous, <laughs> tous ceux qui l'entendent. Et, et ouvert euh... la, la porte de la oui. Hein. Ok, d'accord. Et tu diriges pour ouvrir la porte de la buanderie. Mais eux, le hurlement, euh, forcément, ça les fait reculer euh, et ils partent en courant en direction de la porte. Tous, euh, tous ils, ils dirigent vers la porte. là. Euh, bah les deux premiers, euh, les deux premiers, il y en a un qui, donc ils ont vu que tu avais tiré par là, donc ils se pen... ils se doutent que tu es par là, même s'ils si te voient pas dans le noir. Donc grosso modo, il y en a un qui ouvre la porte et qui tire au jugé euh, aléatoirement euh, dans le dans le noir. Donc là c'est vraiment euh... c'est troll en fait, il va tirer au hasard. Je sais pas comment on peut simuler une attaque au une attaque dans le c'est genre vraiment faudrait il faudrait qu'il ait un gros coup de bol quoi s'il fait le récit de critique il te touche mais sinon euh, non donc il, il te touche pas mais grosso modo il tire dans ta direction quoi plusieurs okay. rafales euh, on tire dans ta direction plusieurs rafales grosso modo euh, derrière la fenêtre quoi et ensuite, il, 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 il passe la tête pendant que lui euh, fait pareil aussi, il pointe son pistolet euh, en direction de la fenêtre. Tu fais quoi Quelque chose de particulier euh... Euh... Bah non, parce qu'ils sont toujours planqués. Donc, euh, puis comme je les vois pas. En fait, si tu veux, là, bah, toi, tu es derrière la fenêtre. Eux, bah, ouais, si tu vas ouais. les voir, parce que grosso modo, ils ouvrent la porte, donc ils commencent à sortir. Ouais. Moi, j'ai entendu, j'ai entendu les coups. Enfin, j'ai entendu et j'ai vu du coup les, les coups de feu euh, qui arrivent de la porte. Ouais. Et donc, euh, je vise dans leur direction, mais bon, il fait toujours noir. Bah, a, non, parce fait, que là, c'est l'extérieur. Il y a quand même l'éclairage des, des lampadaires, donc il fait pas complètement noir. Eh ben, dans ce, dans ce cas-là, j'attends d'apercevoir euh, une silhouette. Bah, tu euh... vois lui qui commence à, 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 à sortir. Et ben, bah, si j'aperçois sa silhouette, euh, j'ouvre le feu aussi dessus. Et ben, bah, vas-y. Oh putain. Ah, c'est mieux. Oh putain. Mieux. Ah oui ça fait mal. Là. Mieux. Par contre <laughs> le dégât c'est pas terrible mais... <rire> non. <rire> Et ben, bah, ouais c'est grosso modo il se prend une égratignure quoi. Il prend... ah, mais il était déjà touché, lui. Ah oui, parce Et que oui, c'est oui, vrai, tu lui, cassé, les... tu lui avais cassé les oreilles. Oui. Tu lui avais cassé les oreilles. Donc, effectivement, il se prend une égratignure. Et ben, les deux, ils vont sortir, ils vont tirer dans ta direction, quoi. Il ne peut pas en sortir plus de deux parce qu'il n'y a pas la place par la porte. Mais euh, ils vont sortir, ils vont tirer dans ta direction. Alors, du coup. Euh... Pour bon L'instant, lui, il fait le mort par terre, c'est ça? <laughs> non, je me suis réveillé, puis euh, bah, je sais pas trop quoi faire parce que moi je suis pas trop un euh, contrairement aux au deux gaillards. Moi je suis plutôt, je me, je, me, je me fais dessus, quoi. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le <laughs> tour. Mais pour l'instant, tu es couché de... par terre. Attends, mais pour l'instant, tu dis que tu étais tombé par terre et tu vois, les mecs qui tirent dans ta direction, quoi. Ouais, voilà, en fait, depuis, depuis tout à l'heure, en fait, je peux pas faire trop d'actions, trop quoi. Donc, euh... Ok, je réfléchis, il y a troll qui te tire dessus, Ismaël. Euh... 14, je pense qu'il te touche, hein. 14, je pense qu'il te touche, t'as combien en défense Alors, défense, 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 je suis à 10 ⁇ plus 10 plus 10 plus combien 10 plus 2, 12, bah il te touche. Il te touche et il te met okay. quand même. Il te met quand même 6 points de dégâts quoi. Donc tu prends une belle blessure là. Tu prends une belle blessure euh, qui te fait euh, tomber à terre. Parce que là, c'est une blessure grave. Donc tu te prends une belle blessure euh, à la hanche, mais par contre, euh, Freddy Krueger, lui... Il rate son tir, euh, il rate son tir et le, en fait, son pistolet euh, se, se bloque, quoi, ça, ça tire pas. Il jette son pistolet par terre de rage. Mais il voit que tu t'es bon, pris est, une belle balle. Je, je les ai bloqués, donc ai intérêt de les démonter maintenant. Et il <laughs> s'est pris une belle balle, donc euh, il voit, enfin, il voit que tu es couché à terre, donc grosso modo, bah, il commence à partir en courant, quoi. Il commence à partir en courant. J'ai euh, Louis qui est qui est par terre, qui est par ici, et j'ai Anis qui est là-bas, qui et les chiens qui arrivent. à leur poursuite. Ouais. Donc, Donc la question. De coincer, euh, et et qu'est-ce qu'elle fait euh, Coralie Mais Coralie, elle essaye de se détacher. Déjà, elle s'est prise une belle elle balle. Déjà. Elle... <laughs> elle elle, 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 elle s'est prise une, une balle dans l'épaule, donc elle, elle se tord de douleur par terre par contre, et puis elle essaye de bouger pour essayer de se détacher, mais il n'y arrive pas. D'accord. Euh, euh, Or RP. Euh, ouais. Dans ceux qui avaient pris des, des coups par Ismaël, ils avaient pris six dégâts des et tout ça. C'est ouais. lesquels qui restent, qui ont, qui ont vachement été touchés Il bah, y a, il a ces deux-là, ces deux-là qui là, sont, deux sont pas mal touchés. D'accord. Et ceux-là, ils sont sortis, c'est ça Ouais, ils sont en train de partir en courant, là. Il euh, bah, y en a un quelques... qui est parti en courant. L'autre, il, il s'est immobilisé pour me tirer dessus. Bah, les deux, en fait, non, les deux t'ont tiré, tiré, des tiré dessus en même temps, quoi. Mais il y en a un, il a raté son coup, donc il a jeté son pistolet, il okay. partent en courant. Donc ces deux-là sont, de sont en train de partir en courant et les deux autres sont, euh, sont en train de franchir la porte, se dirigent vers la porte, quoi. Ils sont derrière eux, quoi. Donc il y a, ils ne sont pas encore sortir mais ils sont sur leur pas. Ouais. Il y en a y deux en a qui, sont, le... qui sont juste devant la porte, mais à l'extérieur. Et trois qui sont euh, devant la porte, mais à l'intérieur. Euh... Minos en prend un, Mac en prend un, et moi j'en prends un. Je me précipite sur eux. Alors, les chiens, ils n'auront aucune difficulté à se jeter sur, euh, sur deux d'entre eux, sur les deux premiers qui leur tomberont sous les dents. Ça, c'est certain. Euh, le troisième, euh, faut que tu jettes par-dessus, que tu passes par-dessus les chiens quoi, pour essayer de l'attraper. Pas... Moi je saute par-dessus la table. Donc tu peux, et bah, tu et me fais là, un, jet je de un jet de dextérité, un jet de dextérité, difficulté euh, 10. Quand tu arrives à sauter par-dessus la table, à la... la dextérité, elle est augmentée en plus. Moi, moi j'ai un plus de plus de en plus rapport à dex je vais lancer le truc et je rajoute après. Comment tu as tu l'as fait ça Où il faut que j'aille cliquer sur quelque chose particulier. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu me racontes Tu m'as utilisé, tu 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 que tu dextérité. Ben non, tu. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire En fait, par rapport à à ce que au cri. Je suis toujours euh, par rapport au cri Non, mais tu es, euh, tu tu m'as fait que, que, partiel, tu m'as dit. Donc euh, maintenant, tu es oui. redevenu normal. D'accord. Ok. Ok. D'accord. D'accord. Donc, Dext. Ouais. Euh, je n'ai pas ça. Eh ben, ça passe. Tu arrives à passer par-dessus la table. Il à passer par-dessus la table et à te jeter sur. Euh, sur euh... Je l'appelais por okay. por Porky, mais, euh, mais c'est pas Porky. Non, euh, eux, c'est les chiens qui leur tombent dessus. D'accord, ok. Alors, eux, c'est les chiens qui leur tombent dessus. J'ai même pas envie de faire les, les jets parce que c est, c est, c est ce qui leur arrive, c'est pas forcément beau à voir. <laughs> et par contre, lui, okay. effectivement, tu l'attrapes, tu le ceintures. Tu le ceintures, tu le ceinture, donc du coup, tu as réussi à passer par-dessus la table, tu ceinture, tu vas me faire cette fois un deuxième jet de, de force ou d'extérieur. Fais-moi un de d'attaque à main nue. Une attaque à main nue en fait, c'est une classique attaque à main nue. Ah, tu me une classique attaque ah, ouais. à, à main nue. Ou... Arts martiaux, ouais. Oui, Arts martiaux. Ouais, bah, facile. Et eh bien, effectivement, le mec, il tombe à, il tombe à terre, il Par perd son contre, pistolet. Je, euh... Par contre, je mes dégâts sont euh... temporaires. Je ne veux pas le tuer. Ah, bah, ben, la Manu, c'est toujours temporaire, la Manu. Euh, que, euh, je que, moi, je que je me trompe, trompe pas, que je me trompe pas, que je me trompe pas. Parce que ça doit être parce au choix, moi. Pas. Moi, je les ai au choix. létaux, ou temporaires Au choix. Euh. Pourquoi lui il était aussi bas que ça Il a pris des coups déjà, euh, celui-là Je comprends pas. Non, il a pas pris du coup. Hein, c'est parce que j'ai pas de. Je l'avais pas mis à jour depuis la fois dernière que j'ai joué, sûrement, lui. Il n'a pas pris de coups, lui. Je me rappelle plus. Vendetta, lui, il a pris des coups, moi. Si il a pris un coup de boule. C'est Vendetta, c'est lui qui a pris un coup, lui de lui a pris le coup de boule. Mais oui, lui, il n'avait pas pris de coups, encore. Donc lui effectivement il, il s'assomme euh, violemment que... quoi. Il perd pas connaissance mais euh, il, est, en, il se tape par terre il, il est en mauvais état quoi. Donc ben ces deux là sont en train de courir. Ils partent en courant vers la rue. Donc euh, les deux qui sont dehors Louis et Ismaël si vous voulez faire quelque chose. Pour les empêcher de ah s'enfuir, ben, je continue, je continue de, de leur tirer dessus. Hein. Ok, donc tu tu te relèves, tu ramasses ton pistolet et tu leur tires dessus dans le dos. Euh, tu tires sur lequel bon, mais bon, je... euh, Tu tires sur Freddy. Moi, je... Tu tires sur Freddy euh, celui qui est derrière ou tu tires sur euh, Troll est qui est devant celui qui est, plus, celui qui est le plus près de moi. Bah c'est Freddy. C'est Freddy. Donc tu tires sur Freddy. Fais-moi une attaque à distance. 11 contre les... Et eh bah ben, tu touches. Tu touches. Tu touches. Tu touches... Quoi qu'un mec qui tient... Tu touches, tu touches, tu touches. Et tu fais combien de dégâts Tu fais 5 de dégâts. Eh ben le mec... Euh... Bon tu l'as pas tué, mais il tombe à terre. Il s'écroule à terre. Euh, il est sacrément blessé. Il n'est pas encore mort. Euh, Louis, tu fais quelque chose ou pas Tu constates que il euh, tu constates que par exemple lui, il a perdu son pistolet en tombant pendant que Anis l'attrapait. Lui, il a jeté je son je pistolet parce qu'il marchait plus. <laughs> je récupère le pistolet. Tu cours pour y sur... sur qui Sur celui-là ou sur celui qui oui. court en partant en courant oui, je lui tire dans les jambes. Celui qui part en courant Oui. Ah, celui qui part. Euh, Celui qui est le plus loin, ok. c'est euh, lequel qui avait pris le, le, le couteau C'est lui là. Et il est à terre, là, il vient euh, de tomber à terre. Oui. Ah. Ben, je tire sur lui. Sur celui là Oui. Ok. Et eh bah ben, vas-y, fais-moi une attaque à distance. Tu l'as ou pas dans tes euh... dans ta fiche euh, je sais pas. Est-ce que tu as une bon, attaque à distance dans ta fiche Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir Pourquoi bon, je n'arrive pas à ouvrir ta fiche Ah si, ça y est, ça arrive. Voilà. Non, oh, t'as fait mal. couteau de qu'est-ce que tu fait À distance, oui bah, c'est ça, 16, ok, bah c'est lui... bon. Et bah tu touches, tu me fais, tu me fais... Alors son pistolet, c'était qui, c'était lui, il avait quoi comme pistolet Il fait combien de dégâts son pistolet il fait combien de dégâts son pistolet à lui Il fait un D8. Donc tu me lances un D8. Eh ben... Euh... Eh ben écoute, quest euh... eh ben écoute, euh... qu'est-ce que je te dise moi Qu'est-ce que que je te dise moi euh... Bye bye. Il est il mort. Est mort. <laughs> je le retombe dans les pommes. Je <laughs> retombe dans les pommes là. là tu peux parce qu'effectivement là tu, tu peux retomber dans les pommes parce qu'effectivement là il y a du mais sang partout monde, là. je pensais le, le, le baisser dans les jambes je pensais pas que j'allais le tuer en tirant dans les jambes. Non mais il était à terre lui, il était euh, là, il était à il terre est et en train d'essayer de se relever quoi. Il était à terre, a été grosso il était, oui, consuto, moi, il était les à les genoux en train de se relever. Mais il était salement amoché quoi. Si je, le tue en... si je le tue en tirant dans les jambes, je veux bien. Mais... mais oui, mais parce que parce qu'il était déjà <laughs> il était déjà bien amoché quoi. <laughs> tu l'as achevé quoi, grosso modo. <laughs> il avait voilà, déjà perdu, perdu pas mal en... de sang donc. Euh... En... Et... Voilà, je vais mettre que, euh, quelqu'un lui tirant dans les genoux. Donc, je tombe dans les pommes. <laughs> Très bien. Ouais, mais tu, tu le vois pas forcément, parce que c'est la nuit et tout. Tu, tu peux penser aussi qu'il est... Plus ah, on a ah, ri, tu peux ri, penser qu'il est juste retombé son... à terre, quoi. Oui, voilà, que j'ai bien... Et du coup, ben, je tire sur le mec qui, euh, qui est en train de courir et de s'enfuir. Celui-là qui est plus loin. Ouais, euh, il est euh... le temps. Ok, alors <laughs> attendez, je cherche les ordres d'initiative. Je suis en train de réfléchir. C'est à qui faire est ce que tu fais ça Ou il y a quelqu'un qui agit avant d'abord euh, euh... Ceux de là, ils sont en train de hurler. Euh, la question, c'est est-ce que tu arrêtes tes chiens ou tu laisses tes chiens les achever Et en même temps que je, je 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 crie fort à lui que je viens de faire renverser, je dis que tout le monde s'arrête, sinon mes chiens vous bouffent tu servais ma voix mais je me suis j'ai hurlé que tout le monde s'arrête sinon mes chiens vous bouffent et tu vois que ça rigole pas quoi donc suivant ce qu'ils vont faire si, si je vois que, que ils, ils relâchent leurs mains qu'ils jettent leurs leur trucs je, je, je dis à mes chiens d'arrêter de, de, sinon ils continuent hmm. Deux secondes. Deux secondes. Alors V V. vais commencé. Il avait déjà pris cher. Et... La première attaque déjà. A... Et pumpkin, très bien. Euh, donc ils sont en train de se jeter dessus. Donc tu me disais, euh, voilà, toi et toi tu viens de, de, de faire tomber lui à terre. Euh, la question c'est... Euh, donc voilà, la question tu fais quoi exactement, Anis C'est ça. En même temps, tu... que je l'ai fait tomber. Ouais. Je, J'ai je ai hurlé, arrêtez-vous, sinon mes chiens vont vous bouffer. Mais à... en fonction de ça... Arrêtez quoi Eux, ils sont juste par terre en train de se tordre de douleur et de hurler dans tous les sens parce que tes chiens sont en train de les bouffer. Rendez-vous, train... rendez-vous, <laughs> rendez sinon euh, mes chiens vont, vont, vont vous bouffer quoi. Bah, ils voilà. veulent, voilà. Ils, ils veulent bien, <laughs> ils veulent bien se rendre quoi, Mais ils sont juste en train de hurler quoi. Ils articulent pas des mots si tu veux. Ils sont juste en train de hurler. Euh, ah, au secours ah. <laughs> Allez, pitié <laughs> Voilà ce que tu entends. Et je le, comme réponse. je dis à mes chiens, euh, je, je <laughs> leur dis stop. Ah mais, bah... euh, mais... Là, tu les vois qui qui qui, qui reculent. Alors eux, tu les vois qui reculent et qui se mettent comme ça euh, dans un coin, pliés euh, en quatre, euh, euh, en train de, en se... position chiens. fétale quoi. De quoi Sans <laughs> bouger. Et lui, euh, et lui, bah il est un peu sonné, il essaye de se relever parce que tu l'as fait tomber à terre euh, et il, il, il lève les mains. Tu sens qu'il recule un peu dans le jardin, quoi, en levant les mains, quoi. Je le il a pas son arme. Ah non, il est tombé à terre, son arme. Je le, je le prends, je le saisis et je le, et je le bloque et je le mets euh, avec les, les autres devant l'échelle. Ok. Euh, Ismaël a encore une chance de, ouais. de tirer sur lui avant que Ismaël et Louis ouais, puisque bah, lui aussi il tire. Et <laughs> ben bah, Ismaël il vient de voir Louis euh, tirer sur, euh, sur Freddy là. Hum? Il vient de le voir tomber et du coup il en profite pour tirer sur le dernier qui est en train de courir. Ok. Et Hop. ben vas-y tire. Ouf. Ouf. Merde. Ah. Et eh ben ton <laughs> pistolet s'enraye et euh, ça ne tire rien du tout. Louis est-ce que tu es en état de tirer encore un coup ou pas Ou tu as perdu connaissance euh, Non. Non, c'est qu'est-ce que j'ai. Ben, ok. Comme je, vais... je vois pas le sang. Ok, ben tu tires sur lui alors. <laughs> tu peux tirer sur lui. Une dernière chance avant qu'il réussisse à s'échapper. 7 euh, je crois que tu le rates. 7 je crois que tu le rates. 7 euh, je crois que tu le rates. Ouais, tu le rates. Tu le rates, et eh bah ben, il disparaît, il part en courant dans la rue. Donc lui, hop, il est parti. Allez, bah, masques. Et les autres, ben ils sont là. Et voilà, vous entendez les sirènes des pompiers qui sont en train d'arriver. Vous avez entendu oui, les oui, sirènes des pompiers voilà. <laughs> c'est un peu tard, <laughs> un peu tard. <laughs> un peu des pompiers pourquoi les pompiers du coup là il y, y a ismaël et qui euh, regarde euh, louis et qui dit euh, louis euh, j'ai appelé les pompiers parce que j'avais aucune confiance euh, dans la police <laughs> euh, avec ta tchatche, est ce que tu peux t'en occuper <laughs> pour les faire retourner chez eux pendant qu'on interroge euh, des Gugus. Sachant qu'il y, cada... qu y a un cadavre dans le jardin. Hein. Ouais, mais comme il fait noir, ils vont pas forcément le voir. Il euh, y a les lampadaires. Et puis il y a les voisins qui ont quand même regardé par la fenêtre parce qu'il y a eu des coups de feu. Ouais, mais. Qui sont de, euh, et et il y a Coralie qui est libérer, en train de se, se tordre moi. de douleur par terre parce qu'elle a une blessure, elle a une balle dans l'épaule. Oh, il faut bah, euh, les. Euh, J'appelle. Ismaël, Ismaël et Louis. Louis, et Ismaël. Euh, ouais. C'est les. Euh, rentrez vite, il y a Coralie qui perd son sang et à la limite, s'il y a les pompiers, c'est peut-être pas plus mal. Alors là, il y a Ismaël du coup qui est un peu en mode, euh, bah, qui se tient un peu le ventre parce qu'il est vachement blessé Mais et aussi, qui ouais. euh, se dirige vers, euh, vers Coralie. Ah oui, Ismaël aussi, il est blessé, potentiellement... j'ai oublié. Ouais, ouais, moi je suis blessé. Par contre, je peux utiliser secouriste sur, euh, sur Coralie. Ouais, tu peux. Tu peux. Ça fait quoi, ça secouriste Ah non, c'est quand c'est zéro. Ouais, c'est quand t'es à zéro, ouais. C'est quand es à 0 PV pour ramener quelqu'un à la conscience qui a perdu connaissance. Donc, donc il n'a pas marche, perdu connaissance. Ouais, ouais. Bah, tu peux utiliser lui, lui, ce pour l'imiter, son hémorragie hémorragie. Mais ça, voilà. Ouais. Bon, moi, pendant qu'ils qu font tout ça, euh, je fouille le... Enfin, je récupère le couteau du, euh, sur le mec. Le Et planque, il est dans le jardin. Les, euh... Ouais, c'est ça, ouais. Je vais voir les... Euh... Bon, donc, du coup, tu vois le sang, alors bah non, il fait nuit. Moi Attends. je récupère juste le, okay, euh, le coup. Bah, ok. Mais je euh, je, je m'approche des, euh, des secouristes et je fais euh, Vite, vite, Bonnet, euh, il y a des fous qui sont venus nous attaquer. Euh, ils sont masqués et tout. Euh, et euh, il y a un qui fait euh, Mais, mais, mais vrai vous. En a notre... Mais vous avez appelé la police Attendez, euh, nous on n'est pas armés, on est juste. Les nous a dit qu'il y avait une personne blessée. Euh, J'ai pas compris là. Elle est où la personne blessée bah, Je n'ai pas compris non plus, mais euh, moi je me suis fait laisser. Je... En tout cas, venez voir vite, allez dans la, dans la maison, elle va mourir. Il y a des gens qui nous ont attaqués, je vous dis, vite, faut appeler les secours, faut appeler la, la police, faut appeler les pompiers. Ah, mais vous êtes les pompiers Ah, mais vite, vite, vite Dépêchez-vous dépêche Je crois que j'ai tomber dans les pommes, et là je tombe dans les pommes, je suis devant lui. D'accord Il est fort. <laughs> En plus tu avais perdu aucun point toi. Ouais, <laughs> bon. euh, les mecs ouais, bah, tu, vois les tu vois les pompiers qui les pompiers qui te tu vois les pompiers qui te qui te ramasse et qui t'emmène euh, qui te mène dans la qui t'emmène dans la la comment ça s'appelle dans leur camionnette et puis que euh, téléphonent ouais, ils, bon, appellent ils, gendar ils appellent la ils ouais. appellent la gendarmerie. Font, ouais ouais on apprend rien on a un problème il y a, des, un les... la... il y a des histoires de 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 village. Vite. Quoi Je vous dis qu'il y a des, des gens qui sont, euh, qui sont en train de souffrir. Il y a un capitaine de police qui, qui va bien. Homme à terre, homme à terre. Euh, donc tu vois, les mecs, ils appellent à la radio. Ouais, faut nous envoyer du des renforts là, appelez-la en gendarmerie là. Envoyez plusieurs voitures ici par moi, il y a, y a de le de <laughs> Bon mettez-lui à Calman, à lui là. <laughs> Mais a été le... envahi par des fous! mettez le sous-tranxen, celui-là! <laughs> Je vous dis qu'il y a une femme qui est en train de mourir! Ok, bon, ouais. ouais, vous, me... vous me calmez là. Tu, tu vois qu'il commence à te mettre un masque sur le visage pour te faire respirer. Ah, les... pas de masque! <laughs> tu te faire respirer un gaz un peu pour te calmer? Ah, ça va mieux! <laughs> eh ben, j'ai ma collègue qui est en train de mourir à gros <laughs> parce qu'il y a des gens qui lui ont tiré dessus. Mais, euh, mais c'est, mais on, je on, cool. on peut y aller là. Du coup, tu vois qu'ils s'approchent. Tu vois Donc vous voyez, vous Un problème. Êtes... Il y a qui à l'intérieur. Ismaël, t'as fait été. quoi toi T'es sorti ou t'es rentré, Ismaël bah, Ismaël, il est avec Coraline. Là. Il Vous êtes de... C'est ça. Vous êtes tous rentrés. Et ben vous voyez oui. deux pompiers qui qui, qui commence s'approche de la de la porte vitrée, qui commence à regarder à l'intérieur, qui éclairent avec leur lampe torche parce que le, le courant est coupé qui essaye de regarder quest ce qui se passe à l'intérieur là, ils voient les chiens qui grognent. Du coup, ils n'osent pas rentrer. Et là, il y a Ismaël qui crie vite, vite, c'est par ici, par ici. C'est vrai que j'aurais pu mettre les deux chiens. Entrez, les chiens vous feront rien. <laughs> euh, ra rappelez vos chiens là, parce que je ne suis pas sûr que. <laughs> Comment ça ils feront rien là <laughs> Non. Anis, nice, il leur dit d'aller dans le, dans le couloir les chiens leur dire de reculer dans le couloir il va, il va les faire se reculer dans le couloir les chiens vont dans le couloir vers, euh, voilà vers ici ok par contre je suis <laughs> toujours à côté des, des gars et euh, là par contre j'ai euh, je, 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 je suis à côté euh, s'ils bougent je, de toute manière j'avais enlevé euh, tout ce qui était arme près d'eux hein. j'ai enlevé tout ce qu'il okay. y avait ok <laughs> Bah tu vois le mec qui éclaire un petit peu avec la avec la lampe torche, qui voit les trois gugus. Euh... Ils sont tous les trois blessés, je crois, en plus. Hein. Ouais ouais ils avaient tous pris des coups. Ah, oui, oui. Tous les trois. Les trois, ils ont pris ils ont... Euh, Et voilà. Et dit bon bah, on a au moins euh, quatre blessés à l'intérieur. On a au moins 1, 2, 3, 4, 5 blessés à l'intérieur là. Et, et ils appellent par qui On a au moins 5 blessés à l'intérieur là. Va falloir nous renvoyer des renforts. Euh... Et la gendarmerie, qu'est-ce qu'elle fout eh ben, grosso modo... La gendarmerie... Oui. Non, ben, la gendarmerie va finir par non, arriver. Non. Au moins que vous fassiez quelque chose de particulier. <laughs> la gendarmerie va finir par arriver. Il y a d'autres camions de pompiers qui vont finir par arriver. Moi, avant de, de faire quoi que ce soit, j'en coince un, celui qui semble le plus... Euh, et je, je lui enlève son, quoi son masque pour voir si... Un des... Un euh... ouais, Effectivement, ouais, ouais. ouais, ouais. tu peux... Tu peux enlever leur masque, oui. De toute façon, le... le, le... J'enlève le masque, en part Est-ce que je non. le reconnais Non. Non, je... C'est je, un je ça, Pourquoi espèce vous de vous voyou. concours êtes... Pourquoi, qui... Pourquoi vous êtes venu ici Le mec, il dit rien. Il est en train de, en train de tenir ses blessures parce que les chiens l'ont mordu, là. Il est... il est en train de... Et tout ce que tu entends, c'est... Je passe à l'autre. <laughs> Pourquoi vous êtes venus ici En fait, tu vois les pompiers aussi qui s'approchent d'eux, qui leur enlèvent les masques pour qu'ils respirent mieux, justement. À tous, ils leur enlèvent les masques. Et apparemment, on a un mort dans le jardin aussi. Bref, ouais, grosso modo, bah, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, bah, eux, ils vont pas répondre. Ils vont simplement euh, se plaindre de douleurs, de machin. Bref. Et il y a la gendarmerie et les pompiers qui vont finir par arriver et qui vont euh, embarquer tout le monde. Les blessés vont aller euh, à l'hôpital. Euh, T'étais blessé Oui, Anis nice aussi était blessé. Il avait pris une balle aussi. Oui, oui, je suis blessé aussi. Ah bah tout le monde était oh, oui. blessé. Alors euh, à, part, à part, le seul qui n'est pas blessé, c'est le seul qui est dans l'eau, qui est actuellement en train de, <laughs> de se faire soigner dans la, dans la camionnette. C'est le seul qui n'est pas blessé. Je meurs, je meurs, je meurs, je meurs. Et <laughs> eh ben écoutez, ils euh, vont tous vous emmener euh, à l'hôpital et vous allez passer votre nuit à l'hôpital à vous faire soigner, sauf lui qui va vite se remettre et nous serons la suite au prochain épisode.